notre Dieu, un festival de louanges, offrant à notre Dieu des sacrifices d'action de grâce. Oh, il est merveilleux, son amour est glorieux, offrant à notre Dieu. Dieu. Je suis la sœur Bissot Brigitte, il y a pour faiseur la sœur Rebecca. Ce soir, je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivrée de la dépression. Cet esprit m'a poursuivi depuis toute petite. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai oublié au moment du brisement. Les maux de tête persistaient à tout moment. Et j'en avais marre. Donc, quand nous sommes venus ici à Tiekwa, à la retraite avec mon faiseur, j'avais mal à la tête et j'avais le corps aussi qui me faisait mal. J'ai fait des examens, mais ils n'ont pas vu grand-chose. J'ai fait scanner et j'étais fatiguée de payer des médicaments. Donc, arrivé ici, le mal rentrait jusque dans ma chair. Quand nous sommes arrivés ici mardi, j'ai dit au Seigneur, je suis fatiguée. Tu dis de manger à la sueur de notre front. Mais pour moi, là, c'est comment? Trop, c'est trop. Je suis fatiguée. Et j'ai commencé à pleurer. Gloire à Dieu. Pasteur Lombé, va vérifier si les gens peuvent croire que je viens de lancer l'appel pour les témoignages. Les nouvelles personnes. Je vois déjà le rang qui s'allonge. Et le Seigneur me dit comme ça de briser l'esprit de traumatisme que j'avais depuis toute petite. L'esprit de folie qui me faisait promener. Et j'ai commencé à juger cet esprit. Mais quand j'ai commencé, le mal de tête à aggraver. Et c'est comme ça, ça me fatiguait. J'ai dit, Seigneur, cette fois-ci-là, c'est toi qui gagnes. Satan, si tu veux, il faut éclater la tête. Mais je ne vais pas arrêter la prière. J'ai continué. Et puis, la tête s'est calmée. Mais dans le corps, c'était impossible. La douleur. Donc j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore dans le corps? Et il me dit de juger l'insuffisance rénale. J'ai dit, oh Seigneur. Et j'ai commencé à prier. Mais au fur et à mesure que je priais, la douleur, c'est comme mon cœur va quitter. Mais on me dit, prie, continue. Et je continuais. Après, j'ai ressenti dans mon corps comme si on avait déposé de la glace dedans. Et j'ai béni le Seigneur. On me dit, continue de prier. Juge l'esprit d'épilepsie. Et j'ai commencé à juger l'esprit d'épilepsie pour ne pas être trop long. Et le Seigneur m'a ramené en arrière, m'a expliqué comment j'ai reçu cet esprit. Vraiment, pour ces trois choses que le Seigneur vient de faire dans ma vie, ici à la retraite. Et je complète que quand je vais lire la Bible, ce mal commence. Et ça me fatigue. Même quand je vais aller payer quelque chose, je vais au marché, j'oublie. Je vais tourner jusqu'à fatiguer. Et le Seigneur me rappelle là, c'est l'esprit là qui t'est fait comme ça. Je dis, oh Seigneur. Mais quand je suis venue ici, j'ai demandé au Seigneur, j'ai payé des livres, mais je n'arrive pas à lire. Tu veux que je prenne quel livre pour travailler dedans? Et il m'a dit de prendre le renversement des principautés personnelles et familiales. Et j'ai pris ce livre, j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas lire, mais je compte sur toi pour lire ce livre et pour le terminer. Et j'ai prié, j'ai lu ce livre, j'ai travaillé dedans, j'ai terminé. Mon faiseur vient, tu as fini le livre, j'ai dit oui. Elle dit, mais tu m'as dit que tu ne sais pas lire. J'ai dit, dis merci au Seigneur. Je vais te compter ma vie. Parce qu'on n'a pas encore eu acclamation à Jésus-Christ. Tu n'as pas pris une douze. Et j'ai détaillé un peu. Elle était dépassée. Elle dit, bénissons le Seigneur. On a béni le Seigneur. Vraiment, je vais dire merci au Seigneur. Merci, Seigneur. Qui a tourné ses regards vers moi. Je lui rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ton Dieu est victorieux. Il est un Dieu très bon. Je suis le frère Altes Ngoran. Je fais des disciples, le frère Apollinaire. Je veux dire merci à Dieu parce que durant les vacances, je suis parti passer les vacances chez mon oncle. Et là-bas, je suis tombé gravement malade. Et on a dit, c'est le début de folie. Mais Dieu m'a guéri de cette maladie. Gloire à Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Moi, je suis un garçon, je suis orphelin. J'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans et puis mon père à l'âge de 11 ans.
Mais depuis que j'ai perdu mon père, jusqu'à présent, l'Éternel a toujours pourvu à tous nos besoins. Dieu a fait de telle sorte que nous ne manquons de rien. Quand il y a quelque chose qui manque, nous disons Dieu pourvoira. Et Dieu a toujours pourvu à nos besoins jusqu'à ce jour. Donc je veux lui être infiniment reconnaissant. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je suis la sœur Coréa Delphine. Et mon frère disciple, maman Colette Meunier. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a délivrée de la mort farouche et précoce. Le 25 décembre dernier, le dimanche dernier, après la veillée, je m'apprêtais pour aller à l'assemblée vers les 9 heures. Je finis de faire ma douche, après mon bain, je sors de la douche. Devant la douche, il y avait une élévation de terre comme ça avec les carreaux. Et il y avait un peu d'eau. Et j'essaie de suer l'eau pour ne pas que je glisse. Pendant que j'ai fait comme ça, je me suis glissé tout le long. C'est-à-dire, je suis parti tout à fait en arrière, par terre, complètement à terre, ma tête sur le sol. Mais le Seigneur s'est arrangé à ce que ma nuque ne soit pas, ne frappe pas le bord du carreau. Mais c'est plutôt ce côté-là qui a frappé le carreau. Et j'ai reçu un violent coup, j'étais seule. La porte était fermée, il n'y avait personne. Tout était devenu noir. Ma tension, ma tête. En tout cas, je dis, Seigneur, sauve-moi. Et je sais ce qui m'a sauvé, m'a délivré de cette mort brutale et farouche du Satan. La chute était terrible. Dieu a amorti cela. Sinon, c'était là qui devait taper le sol. Mais c'est ce côté, mais j'ai eu mal quand même. Laissez que ça me gire, faire le scanner après. Que toute la gloire, je sais que Jésus qui m'a, il m'a déjà sauvé. Offrande d'acclamation. Je rends toute la gloire au Seigneur. Amen. Prêt aux Igrés Roméo et mon faisant les disciples, c'est le pasteur Michel Ekou. Gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour sa grâce envers moi et envers ma famille. Je veux dire merci à Dieu parce que le 27 août 2022, le Seigneur m'a accordé le succès au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Et elle est bien. Gloire à Dieu. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Quand j'ai donné la vie à Jésus et que nous avons commencé le remboursement des principautés, j'ai prié que le salut entre dans ma famille et qu'il ait aussi le mariage. Par la grâce de Dieu, en cette année, 2022 qui vient de passer, il y a eu d'abord une dot et après il y a eu aussi une deuxième dot et un mariage. Et c'est une de mes tantes qui se trouve actuellement en Tunisie. Par la grâce de Dieu, elle a donné la vie à Jésus en Tunisie et elle est une sœur de la CMCI Tunisie. Elle s'est mariée le 4 novembre et ils l'ont bénie à l'église le 3 décembre. Gloire à Dieu. Donc je veux dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est la sœur Andrea Fouenadège. Je faisais des disciples, maman tapait Chantal, missionnaire numéro 1 de Diokoué. Je dis infiniment merci à Dieu pour ses bienfaits au cours de l'année 2022. On avait une prime de 12 mois qui était bloquée dans les trésoreries. Je dis infiniment merci à Dieu. Après les intercessions, Dieu a débloqué ces mois de prime. Gloire à Dieu. Je dis encore merci à Dieu pour ses bienfaits. Après le mois de juillet, j'étais gravement malade. Je respirais à peine. On me soulevait pour m'emmener à l'hôpital. Pour moi, je dis infiniment merci à Dieu. L'église de Diokoué a fait un jeûne de 40 jours à la chaîne pour moi. À la tête, tapait Chantal encore, mon frère des disciples. Je dis infiniment merci à Dieu de ce que je suis parmi mes frères, arrêté debout, en bonne santé. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je dis infiniment merci à Dieu. Dieu qui m'a délivré de l'esprit de Comien, l'esprit de la mort, l'esprit de la sorcellerie. Que l'honneur, la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. Moi, c'est le frère Camozoué Rodrigue.
Et mon frère et disciple, c'est l'ancien Esso Loès Olivier. Amen. J'aimerais rendre grâce au Seigneur qui a été bon vers moi en cette année 2022. Amen. Et le Seigneur m'a béni premièrement avec un travail dans une entreprise La Place. Et à la suite de ça, le 20 mai 2022, le Seigneur m'a béni avec un diplôme d'ingénieur en informatique de conception. Gloire à Dieu. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Le 24 septembre 2022, le Seigneur a permis que Orange puisse me débaucher après avoir signé un contrat CDI dans cette entreprise. Alléluia. Et pour finir, le 27 septembre 2022, le Seigneur m'a béni avec une merveilleuse fiancée. Alléluia. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, c'est maman Amélie. Je faisais des disciples, c'est papa Karoubi de Anyama. Et ce soir, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a permis que je vive aujourd'hui. Ça me fait 30 ans que je souffre dans une plaie. Dans un temps, j'étais azopée et comme ça, en rêve, j'ai vu qu'ils ont fusé sur moi. Et ma plaie là est devenue... Il a fait 7 ans dans mes fesses et j'ai souffert. J'ai pleuré, j'ai cherché Jésus. Mes frères, mes soeurs, où on est ici là? On est avec Jésus. Jésus est avec nous ici. Jésus est Dieu et il est ici. Je l'ai cherché pendant 30 ans et c'est ici que j'ai vu Jésus. Oh Jésus, il m'a sauvé ici. Et comme ça, j'ai mon fils qui est ici. Et c'est lui qui m'a invité ici. C'est l'année passée, il m'a invité. Je n'ai pas eu le temps pour venir. Et cette année aussi, il m'a invité. Et je suis venu, je ne dormais pas. Je dis, je ne dormais pas. Jusqu'à pendant 30 ans. Il y a des jours, quand je rentre dans la chambre, je ne dormais pas. Et le jour, je suis venu, la prière ici. Et ce jour, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il m'a fait dormir. Et je dis, ah bon, donc Jésus est quelque part, et puis moi, je souffre. Donc, écrit un peu de temps, j'ai oublié son nom. Son pied, moi aussi, mon pied. Et maintenant, j'ai fait mes repentances, il m'a baptisé. Maintenant, j'ai la paix. Quand on dit la paix, c'est MCI. Quand on dit la paix, moi aussi, j'ai aussi. Parce que quand je rentre dans la chambre, je dors bien. Et je me réveille bien. Jésus. Non, vous qui sommes ici là, attrapez la robe de Jésus. Il est ici, il est avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Je suis la sœur Mouhéro Mathilde, mon faiseur de disciples, c'est l'ancien Esso Loès Olivier. Je voudrais être infiniment reconnaissante au Seigneur qui m'a accordé la promotion en cette année 2022. Et ce sujet faisait partie de mes 10 sujets de prière depuis 2018. Et chaque année, je donnais ce sujet à la croisade des renversements des principautés personnelles et familiales. Alors, en novembre 2021, on nomme un nouveau ministre et le ministre nomme un nouveau directeur. Il faut dire que la direction dans laquelle je suis, les sous-directeurs sont nommés par le ministre. Et quand le ministre arrive, il vient avec toute son équipe. Et chaque année, c'était comme ça. Mais en novembre 2021, le nouveau ministre qui est arrivé, il a nommé le directeur central. Alors, les sous-directeurs qui étaient là ont démissionné et ils ont suivi l'ancien ministre. Alors, le poste de sous-directeur de l'orientation était vacant. Le directeur qui est arrivé, il ne me connaissait pas. Alors, il nous a demandé de donner nos CV. C'est ce qu'on a fait. Et il m'a demandé d'assurer l'intérim de la sous-direction. C'est ce que j'ai fait depuis janvier 2022. Et jusqu'en octobre, on ne me confirmait pas. Et les collègues même ont commencé à se moquer de moi, disant que, mais tu ne connais pas le ministre, comment tu veux être nommé?
Je t'assure que tu ne seras pas nommé. Personne ne va signer ton arrêté de nomination. Et moi, j'ai dit, moi, j'ai le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne des ordres à mon sujet. Alors, nous avons prié. Ce sujet, j'ai donné à l'Assemblée, à mon faisant des disciples, moi, on priait. En tout cas, tous les frères priaient pour ce sujet. Et pendant la croisade du jeune du ministère en octobre, comme il n'y avait pas de prière dans l'Assemblée les jeudis, alors le pasteur Ega, qui est mon dirigeant principal, qui est l'ancien du sous-centre d'Adjien, il a dit, comme on n'en a pas la possibilité de prier les jeudis, alors après l'adoration, nous allons prier pour nos besoins personnels, au moins 30 à 1 heure, et c'est ce qu'on a fait. Alors j'ai donné mon sujet, j'ai dit, vraiment que le Seigneur me confirme qu'il signe mon arrêté de nomination avant la fin de l'année. Et il m'a dit, pourquoi à la fin de l'année? Nous sommes au dimanche 23 octobre. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Alors, il faut reformuler le sujet. Avant la fin de la semaine, là. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, le lundi, je suis allée au travail. Le mardi 25, mon directeur m'appelle. Il me demande, est-ce que tu as consulté ton mail? Je lui ai dit non. Alors, il m'a dit, va consulter ton mail. Je vais consulter mon mail et je vois, ma décision de nomination est signée par monsieur le ministre. Alors, je voudrais être infiniment reconnaissante au Seigneur qui m'a élevée au poste de sous-directrice de l'orientation et de la promotion des talents. Amen. Acclamation. Gloire à Dieu! Je vais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Moi, c'est la sœur Glotto Cécile. Mon frère dit, c'est parce que Meilleur Boniface. Je vais dire merci à Dieu qui m'a délivré de la mort. Jésus a combattu pour moi dans les lieux secrets. Quand on est venu à Kekwashi à la croisade de 2022, je ne me portais pas bien. J'étais couché, je ne me levais pas. Même quand je trouve comme ça, je m'assois là-bas. Ça n'allait pas. Et puis j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut me délivrer. Je vous assure, dernier moment de croisade, je vous assure, Dieu va opérer un miracle. J'ai dit, le ciel s'est ouvert comme ça. Il y a un caillou qui est quitté, qui a craché serpent. Je vous assure, je vais dire merci à Dieu. C'était pas facile pour moi. Je traversais un moment difficile, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Je vais lui rendre toute la gloire de ce que, c'est-à-dire s'il veut rendre tout ce qu'il a fait sur mes parents, je ne vais pas quitter ici. Mais je lui dis grandement merci pour ce qu'il a fait, pour ses bienfaits, au nom de Jésus. Amen. Je suis la sœur Chimène. Mon faisant de disciple, c'est l'ancien Doisseil. Amen. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie et dans la vie de ma famille. Gloire à Dieu. Le Seigneur, en cette année 2022, est entré dans ma maison. Gloire à Dieu. Nous avons longtemps entendu parler de Jésus, mais en cette année 2022, nous avons vu Jésus. Ma petite sœur a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ 2 jours avant la fin du renversement des principautés, ici à Atikwa. Et par la grâce du Seigneur, en 2022 encore, le 24 décembre, j'ai été mariée, épouse Kofi. Gloire à Dieu! J'aimerais infiniment dire merci au Seigneur pour ses bienfaits et ce qui n'a pas encore fini. Amen. Je suis le frère Olaï Gédéon, j'ai pour fidèle disciple le pasteur Méné Boniface. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur qui m'a accordé le mardi 20 décembre 2022 l'obtention du diplôme d'ingénieur SK de l'INPHB avec la mention très bien. Amen. Je me présente Baloura Gassolage. Mon fidèle disciple, c'est Victor Nago. Je veux dire que ma grande sœur, elle a perdu son enfant. Donc, quand elle a perdu son enfant, j'ai dit à maman, vis-toi que je dois aller au village. Elle dit, d'accord, tu vas partir. Donc, avant le mardi, mercredi, là,
je ne sais pas quoi, mais je suis tombé malade. Avant, il n'est pas encore parti au village. Il y a eu dysenterie, tout cela. Il y a cet esprit de mort. Je suis couché dans la maison le mardi, mercredi. Je vois que quelqu'un m'appelle ami. Je vois où il n'y a personne. À ce moment, mon enfant aussi a reçu même chose. Il dit, maman, tu es où? Il dit, je suis couché. Il est venu. On a prié avant qu'il ait parti au village. Et il dit, avant de partir au village, il faut que je sois dans la gêne pour partir. Parce que ce que j'ai vu là, c'est que vraiment ça s'est produit là-bas. Donc moi et mon enfant, on est parti au village. Et il était dans la gêne là. Il dit, Seigneur, avant de partir avant d'aller au village, cette semaine, on dit, ça est partout. Donc il n'a qu'à trouver ma soeur là-bas. Et elle va me soutenir. Et c'est comme ça, on était dans la voiture là, c'est mon enfant qui nous conduisait, puis on est parti. Je vois dans la voiture là, j'ai appelé une soeur, elle parlait, elle dit, moi comme j'aime évangéliser, elle voulait l'évangéliser, elle dit, je suis dans cette maison, elle dit, à tout. Et maintenant, c'est comme ça, nous deux, on est restés au village, en train de prier, jusqu'à, encore on a prié, on est arrivé au village là-bas, ma soeur nous a mis dans l'hôtel, avant qu'on allait se coucher, moi et ma soeur, on a prié de minuit jusqu'à actuel. Et maintenant, quand elle allait se coucher, dans songe, elle voit que dans la maison qu'on l'a hébergée, moustiques est remplie à bas de moustiques dans toute la chambre. Elle s'est levée dans moustiques à bas de moustiques pour prendre rombo, pour pomper. Et maintenant, avant de sortir, elle voulait sortir, mais elle n'a pas pu. Mais quand même, elle est sortie. Quand elle est sortie, le Dieu a dit que il y a quelqu'un dans la maison là-bas. Elle s'est retournée. Elle a pris l'enfant qui était dans la maison maintenant, pour la faire sortir. C'est comme ça, Dieu parle par rapport, peut-être il a sauvé mon enfant, ou bien il a sauvé quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Et c'est comme ça, on a pris voiture, mon enfant a pris voiture, on s'est à la morgue. On vient sur la route, voici que pointe est remplie d'apinée, pinée là, on voit, oh, tout est déchiré. Je veux dire que c'est Dieu, parce que c'était pas facile. On était trop attaqué, mais Dieu, il était Dieu, parce qu'il était dans le jeûne, je n'ai pas mangé du camp. Je voulais dire que j'ai descendu vendredi, mais Dieu m'a conduit quand dans le jeûne à samedi. Donc, je lui dis merci. Merci parce que vraiment, Dieu nous a soutenus. Dieu nous a soutenus. Il nous a sauvés, moi, amen, mon enfant. Et on est venu à Abidjan, ça est sauvé. Donc, je lui dis toute la gloire. Acclamation à Jésus-Christ. Love offering to Jesus. Gloire à Dieu. Je suis le frère Diakpa Okou Christian et j'ai pour faisait des disciples le pasteur Zoro Frédéric. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a accordé en cette année 2022 le concours de CFPAC, qui est le centre de formation pédagogique pour les arts et la culture. Et actuellement, je suis la formation pour sortir professeur d'art plastique. Donc, je veux dire merci au Seigneur pour cette grâce. Et la deuxième chose, c'est qu'il m'a permis de tripler le nombre de jours de jeûne que je faisais. Ma première année à la CMCI, pour le jeûne du ministère, j'ai fait 3 jours. Ma deuxième année, j'ai fait 7 jours. Et en 2022, Dieu a permis que je fasse 21 jours. Donc, je veux lui dire merci. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus. Amen. Je voulais dire merci à Dieu qui m'a accordé la victoire, qui m'a écouté, qui m'a exaucé. Alléluia. Ma femme a accouché par césarienne. Et avant de nous séparer, de nous libérer, ils ont vérifié dans son carnet et ils ont dit qu'il y avait un vaccin de 60 000 francs que nous devrons faire, sinon l'enfant n'allait pas pouvoir téter. Alléluia. Et je me suis mis dans un couloir de l'hôpital et j'ai commencé à intercéder parce que je ne voulais pas de ce vaccin-là. Frère, j'ai intercédé, j'ai prié, j'ai crié à Dieu. Et le Seigneur m'a exaucé. On m'avait donné des ordonnances pour aller payer des médicaments. À mon retour, je suis venu trouver le bébé et est en train de téter le sein de sa mère. Aujourd'hui, le bébé a 8 mois et il continue de téter. Il n'a rien. Je veux bénir le nom du Seigneur qui m'a écouté, qui m'a exaucé. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Et mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Marc Embryon. Je veux rendre tout l'honneur à Dieu parce que je suis partie au village et avant de partir, j'ai dit ça au pasteur. Il m'a dit à cette fin d'année-là, vraiment, bon. Et il a prié et je suis partie au village. Quand je suis partie,
C'était pour le décès de mon oncle. Mais là, je n'ai pas eu de problème là-bas. C'est quand je venais chez moi au village que la voiture n'a pas de frein, la voiture n'a pas de chose qu'on appelle phare. Et on nous dit qu'il y a le feu qui sort par derrière. Donc, de descendre. Dans la descente, j'ai dit aux gens, descendez, je vais être la dernière à descendre. Parce que j'ai mal aux pieds. Et beaucoup sont descendus. Et quand je descendais, il y a quelqu'un qui m'a poussé. Et je suis tombée dans les trous des érosions. Et mes pieds s'est enflé. Là, c'était encore un petit problème. Mais Dieu m'a gardé. Et c'est les jeunes des villages voisins là qui m'ont porté au dos jusqu'à ce que j'arrive chez moi à la maison. Le lendemain, chez moi à la maison, j'ai dit à mon neveu que vraiment, j'ai sommeil. Vers 13h30, là, j'ai sommeil. Il dit, mais va te coucher. Et je suis allée me coucher. Quand je suis allée me coucher, je chantais. Voilà un serpent qui quitte de ma tête mon bras droit, dépasse mes deux pieds et va se loger où j'ai mis mes bagages. Et j'ai cru que c'était un rêve. Après, je me suis levée. Ils allaient appeler mon beau-frère pour voir. Il dit, vous les femmes, là, vous avez peur de toutes les choses. Tu as rêvé. J'ai dit, il faut aller voir. Et il est parti voir. Quand il est parti voir, il a tiré le sac, voilà le serpent. Et ils ont tué le serpent et après ils l'ont brûlé. Donc je veux rendre toute la gloire à Dieu. Lui qui m'a délivré de la mort, lui qui m'a gardé, qui m'a protégé, je veux lui rendre toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Le feu que vous avez écouté était miraculeux. Il nous vient de très loin. Sans plus tarder, écoutons le frère Diobi Misa Honoré. Avant de commencer, j'ai pour faiseur de disciple pasteur Meunier et mon épouse à son faiseur qui est madame Colette Meunier. Alors, comme l'a dit le pasteur de Gonzague, je suis le frère Diobi Misan Honoré et mon épouse, Madame Diobi. Nous allons d'abord parler des bienfaits du Seigneur dans notre vie. Avant de nous engager dans la CMCI, qui est une église où Dieu est assis, il faut dire que ma femme et moi, nous avons beaucoup erré. Nous avons beaucoup erré, nous sommes passés dans plusieurs églises. Bien sûr, à la recherche de la protection, à la recherche de Dieu. Mais tout était un échec. Le pasteur de Gonzague, ici présent, en sait quelque chose. Nos enfants, en son temps, avaient tous les diplômes. Certains sont allés hors de la Côte d'Ivoire, notamment au Sénégal et en France. Ceux qui sont restés ici, ils ont eu tous les diplômes, mais ils ne travaillaient pas. Vous savez, il y a une école qu'on appelle l'ENA, l'École nationale d'administration. C'est une prestigieuse école qui forme les hauts cadres de ce pays. Mais, je vais vous dire que depuis que nous avons connu la CMCI, et mon épouse et moi avons pris la CMCI à cœur, voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a vraiment un Dieu à la CMCI. Offrant d'acclamation à Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et le Dieu de la CMCI, c'est un Dieu qui rassure. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui donne. Et quand il donne, il ne fait pas de mesure, de demi-mesure.
il donne totalement. Depuis que nous sommes venus à la CMCI et que nous avons fait la rencontre de son leader, oh Dieu, priez Dieu pour que il donne longue vie à ce monsieur. Voyez-vous ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous? Notre premier enfant est rentré à l'ENA. Nous avons 7 enfants, c'est mon épouse et moi. Le deuxième enfant est rentré à l'ENA. Le troisième enfant est rentré à l'ENA. Le quatrième enfant est rentré à l'INJS. Le cinquième enfant est rentré au ministère de l'Intérieur. Et la sixième, bon, comme c'est une fille, le sixième enfant est rentré à l'ENA. Et la dernière, elle est cette année en classe de terminale. Et ils rentrent, quand on dit qu'ils sont rentrés à l'ENA, c'est dans des cycles supérieurs ou moyens supérieurs. Vraiment, ils sont des cadres haut placés. Alors, ce que Dieu a fait pour moi et mon épouse, il peut faire pour vous. Ce qu'il a fait pour nous, qu'il fasse pour vous. Parce que aujourd'hui, vous avez pris de votre temps pour venir à la CMCI. Pour venir adorer le Dieu de la CMCI. C'est un Dieu qui est vrai. C'est un Dieu qui dit la vérité. C'est un Dieu qui rassure. C'est un Dieu qui console. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous exhorte, vous tous les qui êtes venus ici, à la CMCI, il y a un Dieu. Le Dieu, il est véridique. Il est réel. Il console. Que toute la gloire lui revienne. Et que, vraiment, prions ensemble Dieu pour encore, une fois de plus, donner du bonheur à son leader. Par la suite, je vous avais dit qu'il y a deux. Encore mieux. C'est à la CMCI que je suis devenu député. On fait l'acclamation. Et avant d'être député, le pasteur Meunier Boniface a prié personnellement pour moi. Il m'a dit, mon fils, vas-y, tu vas me revenir ici et tu seras député. Et je suis actuellement député. Encore à la CMCI, ils ont mis tous les candidats pour le conseil régional. Par exemple, je suis de la Maraoué et c'est mon duo qui a été choisi. Donc, voyez-vous tout ce que la CMCI a fait de bien pour nous. Que Dieu vraiment vous bénisse. Maintenant, le second témoignage. Ça, je peux le nommer de la mort à la vie. Oui, le pasteur de Gonzague, ici présent, a suivi toutes les étapes de cette opération. C'était le mardi 31 mai 2022. Un coup, je suis à la maison vers les 4 heures du matin et j'ai piqué une crise, un mal de ventre. Comme j'ai une assurance par rapport à mon statut, mon fils m'a donc envoyé à l'hôpital dans une des grandes cliniques de la place. Mais arrivé là-bas, ma fille, une de mes filles, était à l'hôpital, dans le même hôpital. Mais dis donc, j'ai réveillé de par mes cris tous ceux qui étaient à l'hôpital. La chance pour moi était que le mal m'avait attrapé à Abidjan. Parce que si c'était à l'intérieur, les docteurs ont dit que non, ça n'allait pas aller. On devait donc m'évacuer en Turquie, mais de l'hôpital à l'aéroport,
je devrais mourir. Le temps qui était là ne suffisait pas. Et donc, ils ont fait ce qui était humainement possible pour calmer la douleur. Le mardi, vraiment, ils ont tenté de calmer la douleur, mais mon ventre a commencé à s'enfler. Comme une femme qui était à terme. Jusqu'au mardi soir, le volume de mon ventre avait pratiquement triplé. Jusqu'au mercredi, là, vraiment, ils ont fait tous les scanners, tout ce qu'on appelle IRM, bon, c'est leur terme technique là-bas dans la médecine, et ils ont trouvé qu'il n'y avait rien dans mon ventre, que mon ventre était propre, qu'il n'y avait rien, que je n'étais pas malade. Ça, c'est ce que la médecine a trouvé. Mais moi-même, je souffrais au-dedans de moi-même et mon ventre avait eu un volume. Bon, papa de Gonzaga, comme vous étiez là, vraiment un très gros volume. Comme si j'avais près de... Comme une femme qui était enceinte et qui était à terme. Le jeudi, là, je n'en pouvais plus. Et donc... ils ont posé certaines questions à mon épouse, si les enfants travaillaient, tout ou autre. Et puis, ils ont enlevé ma bague de mariage qu'ils ont remis à ma femme. Oui, elle est là. Ils ont remis ma bague de mariage. Bon, ils ont appelé mon plus grand-fils. Ils lui ont donné des conseils. De toute manière, vous travaillez déjà, bon, mais d'accord. Et puis, je suis allé en salle d'opération. Les frères et sœurs, ce n'était pas facile. Maintenant, quand nous sommes arrivés en salle d'opération, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, les frères et sœurs, parce que une opération qui a duré 8 heures de temps, oui, de 14 heures à 22 heures, et puis, indépendamment de cela, l'homme n'est rien. Mais à la CMCI, il y a un Dieu. Le Dieu de la CMCI est vif. Le Dieu de la CMCI, quand on lui demande, il donne. Je dis qu'il y a la vie, il ressuscite. Le Dieu qui est ici, là, il amène l'homme de la mort à la vie. C'était mon cas. Après l'opération, ils ont coupé une bonne partie de mes intestins. Oui, une grande partie de mes intestins. J'étais amputé d'une grande partie. Et ce qui est sorti de mon ventre, ça a une forme étrange. Ça a l'air d'un poisson. Je crois que le pasteur de Gonzague a ça dans son portable et le pasteur Meunier aussi a les mêmes images dans son portable. Mais le plus dur, c'était de faire le paix. Ça dit que, après les opérations, il faut faire du vent. Moi, de manière mystérieuse, 5 jours après, je n'arrivais pas à faire le vent. Et mon ventre a commencé à s'enfler encore. Le pasteur Meunier Boniface était en Allemagne. Le pasteur de Gonzague est venu. Et les médecins ont commencé à se regarder. Ils disent que, mais dis donc, ça t'as jamais vu. Comment on finit d'opérer quelqu'un et la personne encore, voilà son ventre qui redevient encore de plus en plus volumineux. Donc, nous avons appelé d'ici le pasteur de Gondac, mon épouse, ont appelé le pasteur Meunier, qui était en Allemagne. Le pasteur Meunier m'a demandé de mettre ma main sur la tête. Je lui ai dit, non papa, je vais plutôt mettre la main sur le ventre. Parce que c'est le ventre qui me fait mal, papa. C'est pas ça? Exact, c'est ça. That's it. C'est un témoignage authentique. It's a genuine testimony. Et il m'a dit, non, c'est le ventre qui fait mal, mais mets ta main plutôt sur la tête. J'ai dit, papa, j'ai dit non, c'est mon ventre. Il dit, non, mon fils. Mets la main sur la tête.
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mes deux mains sur ma tête. Et depuis l'Allemagne, il a invoqué le Seigneur. Il a prié le Seigneur. Il a appelé Jésus-Christ à faire descendre le vent de mon ventre. Oui, mes deux mains étaient sur ma tête et le portable duquel nous appelait était accroché à mon oreille. Il a prié, il a appelé Jésus-Christ à me faire revenir à la vie. Alors, coup de théâtre, lendemain matin, les médecins, ils étaient au nombre de 6, ils arrivent dans ma salle. Ils voient mon épouse, ils lui disent, bon, madame, mettez-vous dehors. Ils nous enferment là-bas. Ils nous enferment, on me demande, mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas encore te déchirer, on ne peut pas t'envoyer en Turquie. Vraiment, c'est un stade vraiment très avancé, puis ce n'est pas bon. C'est resté dans leur bouche là-bas. Il y a un qui n'était pas encore arrivé. Quand il a mis pied dans la salle et qu'il a refermé la porte sur nous, vous entendez un bruit dans mon ventre. Mais non, là, c'était dans le ventre là-bas. Hein. Il n'était pas encore sorti. Il annonçait seulement son départ. Acclamation, la patrie, Jésus fait des merveilles. Qui c'est ce grand homme? Les frères et sœurs, je me suis rappelé quand le bruit a fait, quand mon ventre a fait glou, j'ai dit, ah, mais tiens, papa a dit hier. Et en présence de tous les médecins, je dis, quand le monsieur s'est apprêté de mon ventre là-bas, il est venu, il est sorti avec tous les sujets que vous connaissez. C'est-à-dire que c'était tellement fort, c'était tellement violent que le ventre, ce n'est pas sorti. Il est sorti avec ce que vous savez. Mais les médecins... Il y a un qui m'a... Le chef, médecin chef m'a demandé, mais... monsieur le malade, monsieur le député, il y a quoi? Je lui ai dit que non. Je lui ai dit, de manière authentique, que je ne vais plus mourir. Parce que le Dieu de mon papa Ménier est avec moi. Yeah! Voyez-vous, tout ce que vous disiez là, moi j'écoutais. Vous étiez en train de vous impatienter, de vous inquiéter de mon état de santé. Est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il ne va pas vivre parce que voilà le volume de son ventre qui commence à monter à nouveau? Mais hier, mon papa Ménier, depuis l'Allemagne, a prié pour moi. Il a appelé Jésus-Christ pour moi. Et c'est ce Jésus. J'aurais pu faire le Père la nuit, mais il a attendu que vous soyez tous venu autour de moi. Acclamons Jésus-Christ. Il a attendu que vous soyez tous autour de moi pour que je fasse le Père. Mais le Père n'est pas venu seul. Et à travers ce Père, les médecins ont été aussitôt. Ils sont revenus à Christ. Dieu voulait me... Voyez-vous comment le Seigneur Jésus s'est glorifié à travers mon opération. Le médecin chef, aujourd'hui, je l'appelle, il m'appelle, il dit, ah, où tu es allé pour que tu sois vivant, tu sois vivant d'une cette situation, moi aussi je vais aller là-bas. Acclamation. Il n'est pas allé seul. Tous ses adjoints qui étaient avec lui, parce que c'est là que les sœurs et frères, c'est là que je me suis rendu compte que
Au fait, je ne devrais pas vivre. Quand le collectif des médecins est arrivé 21 jours chez moi à la maison, ils m'ont dit, monsieur, vraiment, c'est vrai, nous faisons des opérations, on opère des gens, mais où tu pries là, le Dieu de là-bas, il est vivant. Il est vivant. Parce que tu ne devrais pas, en principe, vivre. Puisque tu as été empoisonné. Tu as été empoisonné. Tu ne devrais pas vivre. Ce qu'on a sorti de ton ventre là, vraiment, les frères et sœurs, si vous voyez, en plus de cela, mon intestin a été amputé. Alors, il faut attacher, il faut attraper le Dieu de ton église où tu vis, où tu vas, avec force, avec rigueur, avec véracité. Mais nous aussi, nous allons dans cette église te suivre. Alors, je voudrais vous dire ici de prier ce Dieu de la CMCI. Ce qu'il a fait pour moi, oui, il peut le faire pour vous. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Et priez vous tous, Dieu, pour que il puisse toujours aider notre leader, pour qu'il puisse bénir notre leader, pour qu'il puisse élever notre leader, à l'effet que nous puissions toujours évoluer sous l'ombre de notre leader, à l'effet que nous puissions toujours bénéficier des prières de notre leader. Voyez-vous, je vais m'arrêter là, parce que De Gonzague en sait quelque chose, le pasteur Meunier même en sait quelque chose, j'ai souffert, mais le Dieu de la CMCI a essuyé les larmes de mon épouse. Vraiment, ceux qui ne sont pas encore venus, qui ne sont pas encore prêts à la CMCI, c'est la vérité. Le Dieu d'ici là, il parle. Il est vivant. Voyez-vous, tous mes enfants aujourd'hui, par la grâce de Dieu, travaillent. Moi-même, je suis en bonne santé. Pour preuve, c'est moi-même qui parle en votre présence. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ. Offrons à notre Dieu un festival de louanges. Offrons à notre Dieu des sacrifices d'action de grâce. Oh, il...